What's up guys, Power Julien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play sur le Final Fantasy. Donc voilà, on est à côté de cette magnifique boule de feu qui nous a défoncé la gueule hein, parce que c'est Cerberus tout simplement. Voilà, alors je sais pas du tout qu'est-ce qu'on prend ici, pourquoi il faudrait qu'on combatte Cerberus alors qu'il est beaucoup trop fort, il doit avoir le niveau du putain de boss final le truc. Alors... Non mais alors là, s'il vous plaît, je ne veux pas combattre cette chose. Ils veulent vraiment me forcer à combattre Cerberus quoi. D'accord, donc là on est coincé. On est complètement coincé. Génial. Ah non, moi je combats pas ces trucs, je comprends pas. Je comprends vraiment pas qu'est-ce qui est passé dans leur tête là. Ils nous ouvrent cette porte, on arrive, il y a des putains de Cerberus ultra trop forts. Oh non, mais il y a des Cerberus partout genre. Genre c'est tout des Cerberus partout. Ça va pas le faire là. En plus, ici on peut même pas prendre d'XP. Y a pas une seule zone pour prendre XP, on peut pas se faire aggro, rien du tout. Oh là, y a un coffre. Ça sera dans 30 ans. Mais c'est quoi cette pièce là en fait? Je comprends pas. J'ai très envie d'éternuer aussi. Ah putain. Bon, bah écoute. On est coincé. On va bien vérifier tout. Non, mais y a pas de passage. Il n'y a aucun passage. Et si je vais tout droit, j'ai testé tout droit. D'accord. Ok ta mère. Bah très bien. Bah vous savez quoi, on va tester d'affronter un ennemi. Alors pas celui-là. Celui où il y a le coffre à côté. Ah non mais là je suis. Je comprends pas. C'est-à-dire que si j'échoue là, je sais pas où je vais aller. Je vais faire quoi? Je prends de l'XP en fait pour peut-être un jour espérer battre ces trucs. Bonjour. Who can stop me on of creation? You two shall fall before me. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vas prendre cher. Fire Rogor. Il va nous arracher la tête aussi. 92, très bien, 6. Bon, je sais pas pourquoi il y en a un qui avait du 6, l'autre qui a fait du 59. Bon, on va essayer tous les. On va essayer le bizarre maintenant sur toi. Non, ça avait pas plus de dégâts. Du 150, oui, monsieur. Mais monsieur le moine, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous abandonner sur le chemin, vous nous coûtez trop cher pour rien. Vous êtes inutile. Vas-y, Kunda, et si la foule ne marche pas contre lui, bah je sais plus quoi faire. Bon, la foule, ça a l'air pas mal. Parce qu'en plus, tu te soignes du 173. Oui, monsieur. Ça marche comme ça. Très bien. Vas-y, tiens, mange pas encore du Kunda. Mais mec, je vous avais pas dit que la drogue c'est illicite en fait. Juste comme ça quoi. Hein? Je sais plus quoi faire avec vous. Là je suis perdu. C'est n'importe quoi ce qui se passe. Quel est le fuck? Clairement tu bats le boss, il te montre qu'il y a une porte qui est révélée derrière la statue. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas derrière la porte. En plus les ennemis avaient l'air... Enfin ils étaient tous super simples à battre. D'un coup tu te ramènes dans une salle où tu peux te taper putain de 4 boss. Tu te dis faut que tu te les fasses et que les boss ils sont moins forts que les boss de base. Non, c'est des putains de dieux. Oui, tremblement de terre, allez hop. Ah, c'est un sort qui tue du premier coup en plus. C'est bien ça. D'accord. Dans quel monde on vit? Mais le mec, arrête de te soigner du 170. C'est incompréhensible. Je sais pas, depuis... En fait, au début Final Fantasy, c'était Final Fantasy. Après, depuis la caverne de la Terre, bah c'est parti en couille, quoi. C'est truc de malade. Blaze, allez. Ah, hop là. Tout le monde meurt. Très
Très bien, bah du coup les amis, on retourne plus jamais derrière cette porte, hein, on a compris. Et on va explorer de par nos propres moyens. Bon, on a quand même tous un PV, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une popo à tout le monde. De toute façon, ils peuvent pas nous faire plus d'un dégât ici. On va après se soigner à la truie de Cornelia. Et franchement, je sais pas quoi faire, quoi. Il y a une porte qui s'est révélée et après, je suis censé faire quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais retourner voir le sage qui m'a donné le bâton. Mais après, si ça fait rien, je sais pas quoi, moi. Ils m'ont pas donné de barre comme je pensais. Alors là, franchement, ils m'ont bien eu. Hein. Moi, je pensais qu'ils allaient me donner une barre, ça paraissait ultra logique. Bah non! Qu'est-ce qu'ils font? Et bah, ils te foutent une putain de porte qui t'amène dans un désert, qui après t'amène sur des soldats. Après, ces soldats, une fois que tu les as tous battus et que t'as fait le tour du monde, faut qu'encore que tu te fasses un étage de grotte. Une fois que t'as fait cet étage de grotte, tu te ramènes dans une nouvelle. Dans un nouvel endroit où il y a putain de 4 boss qui, s'ils décident de t'envoyer un spell dans la gueule, tout le monde meurt, quoi. Et c'est de la folie. Je suis très loin là, je suis très très loin. Je suppose hein, que ces grottes sont là pour occuper les gens qui ont fini le jeu, on va dire ça. En gros, ceux qui ont tué le boss, le boss final du jeu, bah, ils vont derrière ces portes pour s'amuser encore plus. Je pense que c'est ça, parce que si c'est pas ça... voilà. Là, c'est bon. Parce que moi j'ai vu des mecs niveau maximum. Enfin j'ai vu un petit peu les stats des mecs qui avaient vraiment des gros niveaux sur le jeu Final Fantasy. Ils avaient dans les 750 PV. Vous voyez ce que je veux dire? Et là le mec il fait des sorts déjà qui one shot. Plusieurs personnes de l'équipe, hein, pas comme si c'était qu'un mec. Et qui font des spells qui font du 300 à tout le monde. Je pense qu'il faut aller là-bas une fois que t'as fini le boss de principal. Parce que voilà, sinon il y a un souci. Donc on va dire que ça c'est des trucs bonus. D'ailleurs je comprends pas pourquoi à ce stade du jeu il me révèle que j'ai débloqué un endroit bonus dans le jeu. Parce que c'est complètement fou. Tout le monde a dû faire la même erreur. Tout le monde s'est dit il faut aller là-bas pour continuer l'histoire. Et tout le monde a dû se faire péter la gueule par un putain de Cerberus. Truc de malade. Bon du coup ce qu'on fait c'est qu'on est reparti pour le village qui pue la merde. Et on va voir le sage qui nous a donné le bâton du caillou. Salut vous. On va passer nos nerfs sur votre sale gueule de merde. Ah, là je suis surpris, je suis sacrément choqué par ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est très bien. Allez hop. J'ai eu confiance hein, quand on a commencé à s'attaquer à ce sorte de gros œil volant. J'ai vu qu'on arrivait à lui faire un peu plus de dégâts qu'au Cerber et que lui faisait un peu moins de dégâts. Et au moment où il m'a envoyé son tremblement de terre, j'ai commencé à me dire... Y a un petit souci. C'est pas très équitable comme combat en fait. Tuons ces pirates aussi. Après ce qu'on pourrait essayer de faire c'est de partir en bateau dans les continents du nord. Même si on sait qu'on peut pas y accoster. Il y aura peut-être un script qui va s'enclencher, on sait pas. Si, je vais voir les sirènes maintenant. Bon, il y a la statue là. On combattra un jour ce boss dégueulasse, une sorte d'octopus à tête d'étoile. Et derrière, il y aura la porte qui va se délivrer vers encore des putains de boss secondaires. Salut, salut. Ouais, ta gueule, allez, tu dis toujours la même chose. On se tire. Bon. Oh non. C'est pas bien de faire la guerre. Voilà. Je me fais agresser par des putains de gros groupes. Allez, faisons un Faïra. Petit barbecue de loup. J'espère franchement que le sage qui nous a donné le bâton va faire quelque chose. Parce que si c'est juste pour nous dire « Oh, tu as ramené le cristal de la terre à vie, c'est bien !» Ou alors qu'il nous répète encore la même phrase qu'il nous avait dit avant. « Prends ce bâton de la terre et va sauver le monde !» Ouais, mais en fait, je l'ai fait. « Prends ce bâton de la terre et va sauver le monde !» Ok, ta mère, c'est bon. Non, mais je disais ça, hein. Je suis désolé, je me suis ramené dans le village. J'étais censé sauver de la malédiction. J'ai ramené le putain de cristal de la terre, j'ai tué le vampire. J'ai tué
tué qui aussi? J'ai tué le démon géant de 20 mètres qui se l'a pété. Et même pas un merci, ils disent encore oh, le vampire il nous maudit, on va tous mourir. Ils sont pas dans le coup, il n'y a pas encore la presse dans ce monde, donc ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant que le monde est sauvé en fait. Hop là, Kunun Chaku. Là, voilà. Allez, rentrons dans cette grotte. C'est là qu'il y a le géant qui rebloque, tu sais. Vous ne passerez pas. Donnez-moi un autre rubis. Pour me donner un autre rubis, il faut que vous retourniez dans la grotte. Et en fait, il y avait un passage caché 20 étages en dessous. Non. Je meurs psychologiquement. Allez, coup de bâton. Mais regardez, on est beaucoup trop fort. Même le corps à corps de mon truc, il tue les monstres, quoi. Le corps à corps de mon putain de mage noir. C'est un signe, il faut que je continue mon aventure, mais... putain, c'était pas là qu'il fallait aller. Franchement, si je trouve pas cet épisode, je vais encore retourner sur la Solus, hein, parce que là, après, il y a vraiment des trucs qui donnent pas d'indication, quoi. En plus, le jeu est en anglais, ça ne facilite pas franchement la tâche. Mais je pense qu'on s'est plutôt bien débrouillé, hein, même si on a inversé quelques mots avec d'autres, on s'en fout de ça, on a compris la globalité et ce qu'il fallait faire à chaque fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, l'anglais, franchement, n'est pas gênant dans la continuité de l'histoire, c'est surtout qu'il ne donne pas trop d'indications, j'ai l'impression. Peut-être que le sage va me donner une ancre pour mon bateau, hein? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'ancre sur notre bateau, parce que si on avait une ancre, on pourrait amarrer un petit peu où on souhaite. Apparemment, on n'en a pas. Et si le papy peut nous enfiler une, ça serait pas mal. Là, on pourra avancer dans le jeu. Je pense que je réfléchis encore trop logiquement pour Final Fantasy. Je suis trop dans la logique à tout va. Attends, c'était juste les pots d'ailleurs, c'est pas possible, il y a un truc à faire avec ces pots, moi ça me rend fou, il y a une putain de porte trop belle. Avec des pots derrière, je me dis on peut les péter comme dans Zelda quoi. Le sage, il est où? Il est là. Non. Putain, il me dit restaure le cristal, mais je l'ai restauré ton cristal mec. Alors peut-être que je l'ai pas restauré. Attends, mais si, je l'ai restauré. Je l'ai restauré le cristal les gars, ne dites pas qu'il faut que je retourne dans la caverne et que j'ai oublié de faire un truc. J'ai cliqué sur le cristal pour vérifier quand même. J'ai utilisé la TP pour revenir en arrière. Attends. Non, 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 le cristal de la terre, il est restauré les mecs, c'est bon. Ils sont juste pas aware, c'est tout. Par contre, maintenant, je sais pas quoi faire. Je suis perdu là. Vous savez quoi, on va les ramasser du niveau. Hein. On va partir à l'est là-bas. On va voir si on peut pas s'acheter des sorts de niveau je sais pas combien. Et on va prendre du niveau pendant cet épisode. Après, j'irai sur Super Solus, ça, moi, je sais plus. Là, c'est bon, ils m'ont poussé à bout. C'est un truc de malade. Tu dis peut-être qu'il va donner un truc. Restaure le cristal, s'il te plaît. Sérieux, mec. Est-ce que t'es putain de sérieux? Est-ce que tu sais ce qu'il m'a fallu pour restaurer ce cristal? Et quand je viens de te voir après l'avoir fait, tu me dis qu'il faut que je le restaure, quoi. Putain. Tout, vraiment. Hein. J'espère, quand je vais aller sur cette Solus, tout, s'il vous plaît, mais que je n'ai pas oublié de restaurer le cristal. On a eu la cinématique, le mec il a levé le cristal en l'air et fait oh, je restaure le cristal par les pouvoirs qui me sont conférés. Mais non, ils me disent tous que le cristal il est pas restauré quoi. C'est pas possible. Ils essayent de me faire une blague en fait. Allez, on va pas être barbecue de zombies. Hop. Non! Quelle était cette perte de temps inutile? Oh, je faisais ma technique pour pas me faire aggro. Allez, préventive strike, on les tue tous les mecs.
Peut-être que maintenant que j'ai réanimé le cristal de la Terre, ça ne va pas révéler des éléments là où j'étais censé en révéler, parce qu'ils me demandaient tous de révéler... Enfin, de... Putain, avec ce mot révéler, je suis en train de me tuer, là. De réanimer le cristal de la Terre. Mais peut-être que ça a déclenché du script, justement, à l'Est. Je trouve ça un peu débile, mais après, on sait jamais. Comme j'ai dit, ça sert presque plus à rien de réfléchir logiquement dans ce jeu. Qu'est-ce que je vais faire là? Ouais, donc on prend le bateau, on va partir tout au nord et voir si on peut pas faire quelque chose, parce qu'en plus ces châteaux ils sont tous sur la côte, donc on pourra au moins les admirer, c'est déjà ça. D'accord, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'était juste ça, très bien. Je vais faire le tour, j'ai commencé à avoir peur là. Si en plus on est coincé. T'as des pirates. Hop. Attendez, mais je rêve ou les mâts de notre bateau sont collés au rebord? C'est une blague. Regardez, vous voyez les mâts du bateau là? Ils sont pas au centre. Putain, le mec nous a refilé un bateau contrefait, le pirate. Tu m'étonnes, il s'en battait les couilles de nous. J'allais me recoincer comme un con. Il y a du chemin. D'ailleurs, je suis complètement con, moi. Oh là là là, quand j'avais fait cap à l'est la vidéo, oh là, débile. J'ai fait tout le tour des terres. Alors que vu que c'est la map monde, il aurait suffi que je parte à gauche pour me retrouver direct. Oh là là. Oh là là, ce con que je suis. Alors là, du coup, on est arrivé. On fait le tour par là. Bon, ici, c'est le coin montagnard apparemment. Il va y avoir des monstres EP. Mais non, c'est toujours les mêmes monstres de merde. Je suis sur un continent qui est censé être putain d'inaccessible. Et les monstres que je croise, c'est des monstres nuls. Je one shot, je veux prendre du niveau. Et il est où ce château là? Ah voilà, oh, peut-être. Mais sautez du bateau. Sautez. Sautez de ce bateau, allez dans ce village. Faites quelque chose, regardez. L'avant de mon bateau touche la maison. Putain, c'est abusé. Bon, bah c'est triste, hein. C'est très triste ce qui se passe. Bon, bah du coup, on va aller à l'est, hein. Allez. Enfin, on va aller à l'ouest pour aller sur l'est de la map. Voilà. J'espère que ça marche. Pas qu'il y ait une sorte de limite débile. Mais... Ils ont vraiment fait des continents assez chiants, hein, pour le bateau. Voilà, ça a marché. Du coup, là, on est en face du village qu'on peut pas atteindre non plus. Tant de choses qu'on peut pas atteindre, truc de malade. Et regardez, je fais du 335 aux monstres tellement ils sont nuls. J'ai de la peine pour eux, là. Pour me mettre des trucs de mon niveau. Non, là ils sont trop nombreux pour rien là. On tape les big eye. Et on va leur mettre une tundala dans la gueule. Non, 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 s'il vous plaît. Ouf.
J'ai vu 5 minutes de ma vie s'envoler à cause de cette paralysie. Mais attendez, il me semble qu'on pouvait amarrer à deux endroits sur cette map. Je viens d'y penser. Attends, on va voir ça. Il semblait qu'il y avait deux endroits où on pouvait amarrer. Ça changerait toute la donne en fait. Il y en a un là. Et un plus en bas. Ah oui, non mais celui-là là, il sert à rien. C'est un cul-de-sac, c'est vrai. Heureusement que je suis pas allé. Hein. Enfin, c'est vraiment un cul-de-sac en plus. Hein. Et oui, c'est de la merde. Très bien. Je suis deg. Bon, du coup, on va aller dans le village de Rich, voir s'ils ont des problèmes. À mon avis, ils ont pas de soucis. On va quand même parler à tout le monde, savoir un petit peu ce qu'ils veulent. Parce que j'imagine qu'ils veulent quelque chose, quand même, s'ils existent. Non, je sais pas. On va voir. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Enfin, au moins, on aura peut-être un indice. Là, on va prendre du fric et du niveau. Là, c'est pas mal. Et peut-être qu'après 50 heures de jeu supplémentaire, on pourra combattre Cerber. Va savoir. Vous savez que là, on n'a pas joué beaucoup. Hein. Je crois qu'on est à 7-8 heures de jeu là sur Final Fantasy. Et encore, le compteur d'heures est faussé parce que je laisse entre les vidéos, je prends une pause quelquefois de 15-20 minutes. Je laisse le jeu ouvert et je mets sur pause. Mais du coup, le temps compte quand même. Le temps de jeu, enfin le chrono du jeu ne s'arrête pas. Du coup, franchement, là, on n'a pas joué longtemps. En comptant qu'un jeu aujourd'hui se finit en 14 heures en moyenne, à ce que je sais. Attendez, regardez, là, on est à combien? On est à 8h13 de jeu. Allez, on est de retour à Crescent Lake et on va parler un peu à tout le monde. On va parler à madame là-bas. My husband is always traveling and in the little time he is always all day. Je sais pas ce que c'est une husband, I think he needs to get his priority straight. Très bien. En fait, bon, au moins elle a pas de soucis, elle raconte ses conneries de sa vie de base là. Salut toi. Il dort. Mais en fait, vous m'expliquez, il y a que deux mecs dans ce village? Il y a deux. Oh non, tu me bloques là. Merci. Y a que deux personnes dans tout le village, quoi. Très bien. Et je peux parler à personne d'autre. Sacré village inintéressant, quoi. Gros village inintéressant. Bah écoute. Je fais quoi, moi? On va voir si on peut s'acheter la magie. 13 000, ça coûte quand même. Mais j'en ai 102 000, ça va. Allez, on peut enfin se mettre ces nouveaux sorts de malade. Donc on va s'acheter la Tundaga. Death, non. Et Quake. Voilà. Des sorts qu'on va s'empresser de tester. J'ai vu qu'il y avait un petit pont là, si on arrivait à faire le tour. Mais non, on peut pas. Car c'est un pont décoratif en fait, regardez. En haut là, il y a un pont décoratif. On peut pas y accéder. Bah c'est génial. C'est génial cet endroit. Ah non, en plus on sort direct ici. Très bien. Bah attendez, on va quand même se soigner à l'auberge. Mais là, je suis... Je sais pas. Je suis dans un autre monde, je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait sur le jeu en fait? Faut vraiment que je gagne des niveaux à l'infini pour pouvoir tuer ces monstres? Ça va être long. Très long. Ils sont beaucoup trop forts. Mais en fait, moi je sens qu'il y avait un truc à faire avec le cristal de la terre. Bon, de toute façon, on ira voir la solution après. Hein. Eh, vas-y, on prend quelques niveaux. Je sais que ça va vite me saouler. J'ai limite envie d'arrêter l'épisode là, mais on va juste tester la magie. Vous savez quoi? On va tester la magie. Allez. Il est tout seul. Alors ce qu'on fait, voilà, là ce qu'on fait, parce que je suppose quand même qu'il y avait un truc à faire avec le cristal de terre, malheureusement on va devoir retourner dans cette putain de caverne. Elle me veut du mal cette caverne, donc on va y retourner là-bas. Et une fois qu'on y sera, on arrêtera l'épisode là, donc on aura le temps de prendre quelques niveaux.
et de tester le sort quand on tombera sur un gros groupe, parce que je trouve que ça vaut pas le coup, de toute façon on aura même pas le temps de le lancer. Ah si, là on aura eu le temps, mais c'est pas grave. Mais il meurt pas ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après cet épisode, je vais prendre une grosse pause. Ah ouais, non, mais ça m'a mis... J'ai un mal de tête, là, je sais pas, c'est dingue. C'est tellement fort psychologiquement de pas pouvoir avancer dans un jeu vidéo. Dès que j'avance pas dans un jeu vidéo, j'ai mal à la tête, c'est tout dingue. Ok. Mais... Attends, mais ça c'est indécent par contre, je balance un putain de sort d'éclair. L'animation, elle est juste trop belle. Et mec, il meurt même pas. C'est honteux. Honteux. Bon. Il nous reste encore le tremblement de terre, là, à expérimenter. Ah bah parfait. Oh, c'est parfait, ça. Ok, oui, c'est parfait. Allez. Quake. Puis-je taper, s'il vous plaît? Non. Je voudrais faire mon quake. Oh, c'est un sort qui one-shot le groupe, en fait, comme l'autre. Ah, c'est de la merde, en fait. D'accord. Bon, en gros, c'est inutilisable contre les boss. Je suis bien deg. Je crois que ce qui me ferait le plus péter un câble, si je vais sur Super Solus. Enfin, pas sur Super Solus, parce que Super Solus, ils n'ont pas fait la Solus de Final Fantasy. Mais si je vais sur la Solus de Final Fantasy, et que je vois écrit qu'il fallait battre les boss de la salle là où on était avant. Ah, mais je meurs! Je meurs! C'est pas possible. Je suis désolé, mais non, non, non. J'espère qu'ils ont un conseil pour que j'XP vite, parce que sinon, ça va pas le faire, hein. Donc là on est... Ah merde. Oh, laissez-moi rentrer au village. Je veux prendre mon cachet d'aspirine. Allez, toi tu vas nous faire une magie. Oh non, putain. Je misclic tellement tellement je suis fatigué. Je retrouve plus mes touches. Hop. Et voilà, on est de retour au village. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va se soigner à l'auberge. Et après ça, on arrêtera notre épisode. Tout simplement, merci de me dire de mon rêve. Parce que oui, je suis fatigué. Allons dormir. Voilà. Les musiques sont vraiment cool, hein. J'aime beaucoup. Et là, tout le monde est content. Yeah. Eh bien voilà les amis, c'est là qu'on va se laisser. Putain, ça fait pas mal d'épisodes qu'on se laisse au même endroit. On est coincé, hein. Cette caverne est réellement maudite. Je sais pas ce qu'ils me veulent avec ce cristal de terre. On le saura bientôt. Je vais consulter donc la Solus. Voilà, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment en ma compagnie. Je n'ai plus une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss! Et à la prochaine!